Nous allons à présent aborder les tests et les mobilisations du calcanéum en mouvement mineur. Nous vous rappelons qu'en physiologie, le calcanéum tangue, vire et roule sous le talus. Le mouvement principal fonctionnel est le roulis, c'est-à-dire la prosupination. Pour bien rouler sous le talus, le calcanéum doit pouvoir glisser de dedans en dehors et de dehors en dedans. Pour travailler la translation de dedans en dehors, le patient se couche sur le côté du pied à travailler. Le pied très légèrement en dehors de la table. Il faut que le talus soit sur la table et le calcanéum en dehors de celle-ci. Nous plaçons notre rotule droite sur la table. Nous sommes donc agenouillés contre elle. Le bras droit est tendu, le poing est planté dans la table, l'index tout à fait au bord. Nous plaçons le pied dans la main avec l'index juste sous la malléole au contact du talus. Le calcanéum reste toujours en dehors de la table. La face interne de notre genou gauche est au contact de l'avant-pied et va nous permettre de gérer la flexion dorsale. Nous saisissons le calcanéum. Nous mobilisons le calcanéum verticalement, par le bras droit, par un travail de l'articulation homo-serrato-thoracique. Dans un premier temps, le jeu latéral est ample, car il s'exprime également dans la talocrurale. Par une bascule de notre pied vers la pronation, nous mobilisons le pied vers la flexion dorsale afin de verrouiller l'articulation talocrurale. C'est le moment et l'endroit pour mobiliser vers le sol. Il est possible de modifier l'orientation du travail plus ou moins vers l'avant, ou vers l'arrière, mais aussi vers le dedans ou vers le dehors. Il est conseillé d'explorer toutes les possibilités par des mobilisations répétées. Pour mobiliser dans l'autre sens, le patient se retourne jusqu'à mettre sa jambe à plat sur la table. Pour des modalités de prise de vue, nous vous montrons la technique sur la jambe gauche. Le reste de la technique est identique.